La communication digitale au Togo prend un coup d'accélérateur avec le lancement de trois nouvelles plateformes par Citaf Mediacom ce 22 juillet 2020 à Lomé. Avant ce lancement, Citaf Mediacom s'est brillamment illustré par son site d'information citoyenfo.com. Le lancement de Citaf Mediacom est un lancement qui répond à deux objectifs. Tout d'abord, nous situer par rapport au parcours que nous avons fait, qui est un parcours qui s'était résumé à Citoyen Info, qui est un journal en ligne. Et puis après, Citaf Mediacom est allé sur d'autres fronts. Pour le traitement de grands sujets, Afrique Forum servira de relais aux universitaires et aux journalistes de renom. Afrique Forum, qui est une plateforme média, mais média alternatif, qui permet aux citoyens de connaître un peu des données sur des informations précises et d'apporter également des contributions. Et à cela, nous avons la chance d'avoir la contribution des professeurs d'université et qu'on considère au niveau de notre organe comme des contributeurs. Vous savez, dans les médias internationaux, on a souvent de ces universitaires qui participent à de grandes réflexions, qui participent à la rédaction de grands dossiers qui vont au-delà du factuel. Et donc, Afrique Forum est cette plateforme qui permet aux universitaires, aux journalistes outillés de sortir des informations avec des données précises qui permettent aux citoyens lambda de commenter, d'apporter également leur regard sur ces données. Citaf Mediacom a aussi lancé la City Web TV, un ambitieux projet pour relayer des informations sur le Togo. La City Web, que nous appelons très souvent la City Web TV, c'est cette télé en ligne qui va à la rencontre des populations. Le slogan qui est derrière cette chaîne YouTube, c'est « La caméra chez vous ». Nous allons à la rencontre des populations. Nous leur posons des questions sur leur vécu quotidien, ils répondent. Il s'agit là de permettre à ce que les gouvernants puissent être informés de certaines réalités dont ils ne sont pas en phase très souvent. Soucieux de la nécessité d'aller vers la gestion de l'information, les responsables de Citaf Mediacom ont également mis en place le Zoom 228. Zoom 228, c'est un concept purement de la communication digitale. Il s'agit pour nous aujourd'hui de sortir un élément, un concept très important à nous. C'est le concept la web infographie. Vous savez, la toile a des règles. Quand je parle de la toile, je parle de l'Internet, les nouveaux réseaux, les nouveaux médias. Quand je dis la toile a des règles, c'est que quand vous allez aujourd'hui sur la toile, le flux d'informations qui arrive ne permet pas suffisamment au lecteur de lire peut-être un test jusqu'à la fin. Et des données scientifiques disent que moins de 5% de personnes ou d'internautes arrivent à lire tout un test sur la toile ou sur un réseau social. Maintenant, nous mettons sur nous ce concept qui voudrait ressortir l'essentiel des informations, que ce soit des informations politiques, sociales, économiques ou sportives. Nous sortons l'essentiel de ces informations que nous mettons sur des affiches bien griffées et qui permettent désormais aux citoyens de susciter un certain nombre de débats.